En volet 2 de ce journal, les prochaines campagnes de vaccination contre la péripneumonie contagieuse et la peste des petits ruminants seront mieux coordonnées dans les prochains mois. Le ministre de l'Élevage, Mahamat Anadif Youssouf, a réuni à cet effet ce matin les acteurs impliqués afin de discuter et d'élaborer un planning concerté du déroulement des opérations de vaccination. On en sait plus avec Estelle Abdelkader. Faire le bilan de la campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants. Tel est l'objectif de cette réunion des techniciens et cadres du ministère de l'Élevage et des Productions animales. Les participants venus des différentes régions du pays sont conviés à réfléchir sur les voies et moyens pour lutter efficacement contre ces maladies. Nous aurons également le partage des informations sur la stratégie nationale le contrôle de l'éradication de la peste des petits ruminants validé en août dernier. Et puis, nous aurons également parcouru le plan de surveillance épidémiologique et d'intervention sur les foyers de maladies qui ont été élaborés. Le ministre de l'Élevage exhorte les participants à relever le défi du développement pastoral. Les faibles productions et productivités animales sont dues en grande partie aux problèmes liés à la santé animale, notamment la présence des maladies animales transfrontalières. Afin de faire face à cette difficulté et relever le défi du développement pastoral, de nombreux efforts ont été déployés par le gouvernement et ses partenaires au développement. Les participants ont 3 jours pour passer en revue le bilan de la campagne de vaccination contre la PPCP et de planifier la vaccination contre cette maladie transfrontalière.